Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Montpellier, il fait beau et on va filmer la promo pour notre nouvelle collection qui va sortir. C'est la réédition de la collecte WizzyTag avec trois nouveaux t-shirts et un bonnet. Il y a les gars qui ont repéré quelques petites lines sur le spot. On va essayer de filmer, mettre l'accent un peu sur les nouveaux vêtements, les nouveaux designs et tout. Et puis on va filmer le tout à la 3-6 et on fera un petit edit et on vous montre ça plus tard dans la vidéo. Ouais, c'est... Ah oui, GoPro 11 et tout. Ça change en vrai. Ça s'équipe. Donc le petit bonnet là. Ouais, mais on va faire des plans à la 7, non? Ouais, carrément. Romain, il a trouvé une line où il y a du gros drop. Ça va le faire, ça va le faire. J'aime bien, ça fait pas des grosses lines avec des gros power moves, mais des petites lines de fluidité, ça fait plaisir aussi. Flo qui va commencer la line par un drop, une petite roulade précision. On n'a pas trop l'habitude de faire ça, mais c'est marrant. Sur ce mur là, il va faire une petite roulade précision. Tchac. Et après, il continue sa line par là-bas, ça va être cool. Tu continues ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je me suis dit, ça allait quand même faire un gros fort accord et en plus, il allait être là, il allait me gêner. Ah, ça m'a fait tout drôle. J'ai vu sa tête, ça lui a fait tout drôle aussi. Bon, on est reparti, c'est la quoi? C'est la quatrième fois qu'on l'a fait. Mais ça va, c'est là une plaisir. Ça fait du bien là. Prendre un peu d'impact. Bon, les mecs. Eh oh. Bonjour. Bonjour. Allez-y. C'est assez fou ici. Il y a personne qui nous dit rien en vrai. Oh, par cœur. On est arrivé à un nouveau spot. On a trouvé un press un peu mental. Ce qui est stylé, c'est qu'on peut y aller crescendo. Il y a de plus en plus de drops. Du coup, on va essayer de le faire avec le maximum de drops. Et on commence où il y a le moins de drops. Là, le saut, c'est ça. En gros, on part de là, là. Et ta. Arrivé juste là. Mais wow, ça fait peur. On a trouvé un petit challenge là. C'est de faire un press. Et genre, on arrive et en fait, le mur, il nous arrive là. Du coup, soit faut se baisser, soit faut s'attendre à le prendre dans les mains, mais c'est assez chaud. C'est horrible, tu vois le truc s'approcher. Hein. Ah ouais, non, c'est pas le meilleur spot pour prep. Hein. J'étais proche, quoi. Ça bounce back. Je fais bien regarder. Oh. Je peux bien se baisser. C'est terrifiant. Chez moi, mais vous pouvez écraser, on ne peut pas écouter. Putain, c'est... Ils sont cool, les gens, ici. Montpellier, c'est un truc de fou. Hein. Les gens, ils nous virent très, très rarement. Ça, là? Ouais. Oh oui. Ouh. Tu baisses la tête, hein? Ouais. Oh, c'était terrifiant. C'était pas loin. Ça, c'était le challenge sans trop de risques, même si on pouvait se manger un mur dans la gueule. Mais maintenant, il y a un challenge un peu au-dessus là, de le faire ici. Ah,
Allez, 3, 2. Pas faire ça, hop, en train de se faire virer en live. Là, on a repéré un roof gap il y a deux jours avec Florian et Mathieu. Et on s'est dit, ouais, ce serait quand même très très beau de le faire. Donc là, on revient avec les dernières petites lueurs de la journée. Ça peut être bien stylé. C'est quand même bien pratique de faire des recos juste avant. Parce que comme ça, en fait, bah, on connaît tout le chemin. Et on perd pas de temps en fait à chercher un accès, etc. Ça va deux fois plus vite. Allez, let's go. J'ai réussi à monter avec le gros sac F-stop. Bon, il nous sert quand même beaucoup pour tout ce qui est des caméras, etc. Mais par contre, qu'est-ce qu'il est lourd! Ça vaut le coup. J'ai compris, j'ai levé la tête. Il sait faire. Ah oui, il est pro. Okay. Ça part ? Send it. Ok. 3, 2, 1, 2. Voilà, du public, hein. Merci pour le public. J'espère que vous avez kiffé ce petit edit de parcours. En tout cas, nous, on a pris pas mal de plaisir à filmer ça. Si jamais vous voulez nous soutenir et acheter cette nouvelle collecte, la réédition de la collection WizzyTag, le lien de notre site est dans la description. Bon voilà, on enchaîne le spot. C'est parti. Bon, Flo a repéré un petit spot de baignade. Donc on va aller voir ça tout de suite. On est en train de choper du raisin pour se donner un peu de force. Et après, on va aller voir. Normalement, il y a un petit arbre pour sauter et un petit pont. Donc voilà, on va aller passer le sunset là-bas. Oh, c'est bien sucré, hein.
C'est bon, c'est vrai. C'est pas mal. Alors, contrôle qualité. En vrai, c'est pas les meilleurs raisins, mais... l'écoutez pas, c'est pas mal en vrai. Ah oui. Oh. Ouais, il s'est chaud. Le cirque, hein. Et nous, là, on vient d'arriver au platane. C'est beau, ouais. Ah ouais. C'est trop stylé. Ce spot est incroyable. C'est un platane. Et il est penché vers l'eau. Du coup, on peut cliff de toutes les branches. C'est quoi ce bordel? On est dans un arbre, on va cliff. C'est quoi ce délire? Surtout, je crois, il y a vraiment pas mal de hauteur. Ouais. Ça a l'air d'être un bon spot pour chill et apprendre des nouveaux tricks là. J'ai l'impression d'être à la piscine olympique, genre, on a toutes les hauteurs. On choisit notre plongeoir. Ouais, c'est trop bien de se balader sur un petit arbre. Ouais. On peut faire des presses là. Oh, c'est horrible en vrai. Non, c'est trop bien. Mais oui, non, mais ça fait bader de ouf. Ah, il s'attendait pas à ce qu'il y ait autant là. Bon, le spot il est vraiment incroyable, mais en fait on se rend pas du tout compte des hauteurs parce qu'on est dans un arbre, il y a des branches partout. Et en fait je crois que c'est plus haut que ce qu'on pense. Du coup Flo il s'est éclaté. Plat des boules à 6m50. Vache, je pensais pas que c'était possible d'avoir aussi mal. C'est bon? Ouais, ma bite elle est toute rouge. Oh, putain, mais vraiment pire douleur que j'ai jamais eu de ma vie, je crois. Ça remontait dans mon ventre, c'était horrible. Oh la vache, ça c'est super dommage. Ben voilà, spot il est trop fou, mais il y a une sale poubelle hein, sur le spot. Venez à mon peuple au lieu d'aller. Oh, il y a de l'eau. Du coup, j'ai eu une autre idée. C'est quoi? Ce sera peut-être moins chier. Ouais. Je me suis dit, il y a des déchets et tout. On va tout ramasser, mais après, il y a des gens, ils vont revenir, ils vont tout jeter. Du coup, je vais essayer de construire une poubelle. Bon, là, c'est la V1, donc c'est oui. Pas une dinguerie. Il faut être indulgent. Dans l'idée, je fais un cercle comme ça et je re-rentre dans le bambou. Comme ça, ça tient. Après, bien sûr, faut imaginer. Hein. Faut imaginer, hein. Ça, c'est sûr. Bon, bah, cette petite session cliff, éclatage de testicules et ramassage d'ordures, c'est bien passé. On passe au prochain spot. J'ai encore mal hein, quand même, je tiens à le dire. Hein. Là, je sens encore un petit peu les séquelles. Mais ouais, franchement, sur le moment, c'était terrible.